Déjà, c'est un grand plaisir pour la troisième année consécutive en ce qui me concerne de me rendre ici au Forum de Giverny, organisé par les équipes de RM Conseil, les sociétés à mission, la raison d'être. Je dirais, comme je l'ai dit dans mon livre, une pratique plus citoyenne du capitalisme, plus ouverte, plus équitable, avec une gouvernance renouvelée, avec un impact social et environnemental amélioré. Ça n'est pas l'apanage des grands groupes. Bien sûr, un certain nombre d'entre eux ont de l'avance, ils ont des équipes, ils sont staffés, comme on dit, pour mener à bien ces projets. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est plutôt les PME qui ont pris le virage des sociétés à mission. 731 sociétés à mission au moment où je vous parle, dont les deux tiers sont en réalité des PME. Donc Giverny devient aussi le rendez-vous des entreprises de taille intermédiaire, les ETI, mais aussi des petites et moyennes entreprises. L'objectif, c'est pas de dépasser des jauges ou de faire des records de sociétés à mission. L'objectif, c'est que ces sociétés à mission se développent vraiment, structurellement, en profondeur, modifient la pratique managériale, capitalistique des entreprises. Les statuts, les outils sont faits pour tous. Et écoutez le réel, suivez le réel. Aujourd'hui, c'est plutôt les PME qui ont le vent en poupe. Il faut que toutes nos entreprises s'y intéressent. Il y a tout à gagner en réalité et assez peu à perdre, voire rien à perdre.